spectacle. On imagine souvent ce qu'on ferait dans certaines circonstances. On en boit une autre, Richard ? Ouais, vite fait alors. Deux autres demi. Qu'est-ce que tu ferais, toi, si tu surprenais ta copine en train de baiser avec un autre ? Quoi, ça t'est arrivé ? Non, je te demande ça comme ça. C'est drôle, j'y pense parfois à ça. Moi aussi. Ma copine, je lui dirais : là, tu peux être fier. Tu viens de perdre une chose impossible à retrouver : la confiance d'une personne. Ben dis donc. Tu vois ? C'est la meilleure chose à dire, hein. Et au type, je lui dirais : ouais. Tu crois avoir eu un trophée, mec ? Eh ben, c'est le trophée de la fourberie que t'as gagné. Waouh ! Hein ? Ça, c'est vraiment bien. C'est les meilleures paroles pour les circonstances. Et quand arrivent les circonstances ? Ah ! Richard ? Qu'est-ce que vous foutez là, je me fous ? Bon, moi je me tire. Tire-toi là, je peux plus en cacher ! C'est pas ce que tu crois ! Comment est-ce que tu peux penser là, je pense à là ? L'émotion change la teneur du message. C'est pourquoi il vaut mieux enregistrer sur une cassette ce qu'on a à dire à la personne intime. Comme ça, on a la possibilité de répéter. Je suis terriblement blessé. Non. Tu m'as terriblement blessé. Non, ça c'est trop dur. Un homme n'a pas forcément les poils de nez qu'il a désiré. Non, là, c'est pas tout. J'étais blessé hier matin quand tu m'as dit ça se taille les poils de nez. Tout anodin soit-il, le sujet des poils de nez peut blesser. Je suis malheureux. Pourquoi utiliser mes poils de nez pour vider ton fiel ? Non. Je sais bien, figure-toi, que ça se taille les poils de nez, mais tu me l'as dit sur un ton du genre « Tu sais, ça se taille les poils de nez. » Si tu me l'avais dit sur un ton du genre « Tu sais, ça se taille les poils... » Non. Tu crois que je ne sais pas qu'il existe des ciseaux spéciaux pour les poils de nez ? Non. À poils de nez, on ne regarde pas la bride non plus. Non. Est-ce que je te parle de tes poils de mamelon ? Non, ça c'est très méchant. Je... Oh, tu parles d'un bouchon ? Mais qu'est-ce que c'est que ça ? Chérie, écoute cette cassette. Mais qu'est-ce que c'est ? 1, 2, mardi le 13 juillet 99. Mais qu'est-ce qu'il a ? Des poils de nez prise 1. Il a l'air fâché, mais qu'est-ce qu'il lui prend ? Tu sais, chérie, la délicatesse est souvent reine de la bonne entente. Il délire ? Et ça compte aussi pour les poils de nez. Mais qu'est-ce qu'il dit là ? Je suis blessé depuis que tu m'as dit hier matin que ça se taille les poils de nez. Oh, c'est pas vrai. Bien sûr, les sujets semblent anodins. Ben tu parles. Mais tu l'avais dit sur un ton du genre « Tu sais, ça se taille les poils de nez. » On exagère quand même. Alors que tu aurais pu le dire sur un ton du genre « Tu sais, ça se taille les poils de nez. » Ça fait toute la différence, crois-moi. Oh, quel con. Je sais bien, figure-toi, qu'il existe des ciseaux appropriés à cette tâche.